École normale supérieure. Savoir en multimédia. Vous avez eu le titre de ma communication, Simone Veil et Edmond Husserl, Convergence. Faire figurer le nom de Simone Veil dans la longue liste des philosophes appartenant au mouvement ou à la mouvance phénoménologique reviendrait implicitement à mettre un bémol sur le qualificatif d'atopique ou d'inclassable que j'attribuais à Simone Veil lors d'un précédent essai en prenant ce terme au sens où, par exemple, Socrate est dit atopos, sans lieu, dans les dialogues de Platon. Simone Veil n'appartient à aucun mouvement philosophique repérable qu'on pourrait, il y a des convergences. Mais elle n'est pas une philosophe ceci et cela pour le monde académique, ça trouble. Plus grave, je risquerais de laisser croire que pendant sa vie, Simone Veil aurait eu le temps de connaître l'œuvre de Husserl et de ce fait aurait pu songer à la poursuivre dans un sens ou dans l'autre. Il y aurait ici une double erreur concernant et le temps les lectures de Simone Veil et aussi la connaissance de l'œuvre husserlienne. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut dire on connaît l'œuvre de Husserl. Aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, puisqu'il y a encore des choses à publier. Et la plupart des gens se sont formés des idées limitées de Husserl parce que l'œuvre de Husserl n'était connue que par bribes. Et je vais m'appuyer beaucoup sur des textes qui n'ont été connus qu'en 1989. Et pourtant, si Simone Veil n'a pu avoir de connaissances véritables de l'œuvre de Husserl, elle se montra tout à fait consciente de son importance pour la philosophie. Il lui aurait été impossible d'ignorer la présence historique de Husserl à la Sorbonne en 1929, à l'invitation de Léon Brunswick, pour y faire les conférences de Paris, dont sont issues les méditations cartésiennes. De plus, en 1941, réfugiée à Marseille, elle ne manqua pas d'assister à la soutenance du doctorat d'État de Gaston Berger, dont la thèse complémentaire portait sur le cogito dans la philosophie de Husserl. Entre ces deux dates, il est difficile de savoir si elle prit connaissance d'un quelconque ouvrage de Husserl, et il y avait déjà en 1929 les méditations cartésiennes publiées, traduites, et d'abord publié en français, avant l'allemand, dans la traduction de Gabriel Pfeffer et d'Emmanuel Levinas. Quoi qu'il en soit, Simone Veil ne semble éprouver la moindre hésitation lorsqu'elle nomme Husserl parmi les philosophes majeurs du XXe siècle. Le passage auquel je me réfère est extrait d'un projet d'essai au titre de « Quelques réflexions autour de la notion de valeur ». Bon, j'ai fait un tas de précisions parce que Simone Veil fait deux listes de philosophes, les vrais philosophes, c'est-à-dire là où il y a une conversion ou un changement d'âme, et une autre renvoyant en dernière analyse à ce changement d'âme à une sagesse atemporelle. Et d'autres listes de philosophes grands comme Aristote et Hegel, mais qui n'a pas sa préférence. Alors, ce qu'elle dit, voilà la citation. « Platon est le représentant le plus parfait, sans doute, de cette tradition. La Bhagavad Gita s'en inspire de même, et on trouverait aisément des textes égyptiens et chinois à nommer à côté. En Europe, dans les temps modernes, il faut citer Descartes et Kant. Parmi les penseurs les plus récents, Lagnot et Alain en France, Husserl en Allemagne. Cette tradition philosophique est ce que nous nommons ici la philosophie. » Un tel propos nous surprend. En dehors de ne pas attribuer à la seule source grecque auquel elle était si attachée l'exclusivité de la philosophie, le fait que Simone Veil fasse figurer le nom d'Alain et de Lagnot à côté de celui de Husserl a de nos jours de quoi étonner. Les étudiants d'aujourd'hui seraient très étonnés.
parmi les grands philosophes de la seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, on s'attendrait à trouver, à côté de celui du nom de Husserl, les noms de Bergson, de Whitehead, de Heidegger, de Wittgenstein. Et il y aurait encore à ne pas éluder le partage de ces noms entre les deux lignées philosophiques auxquelles Simone Weil fait allusion. Quoi qu'il en soit, ce serait faire de l'anachronisme que de lui reprocher l'absence de leur nom parmi ceux qu'elle mentionne, car ces philosophes ne furent pratiquement étudiés en France qu'après la Seconde Guerre mondiale. Bon, je vais laisser un certain nombre de références à d'autres cas, à des guerres et tout ça, mais que Simone Weil fasse figurer conjointement avec le nom de Husserl ceux de Lagnau et de son disciple Alain, qui fut lui-même Lagnau le maître d'Alain et que Alain fut le maître de Simone Weil, n'est aucunement dépourvu d'intérêt, et nous venons de voir avec l'exposé précédent. Et avant de poursuivre, rappelons que dans sa vie de Simone Weil, on peut lire ceci sous la plume de Simone Pettremont. Plusieurs d'entre nous étaient plus disciples de Lagnau que d'Alain lui-même. Et je pense que cela est vrai pour Simone Weil. Les écrits du maître que fut Socratique, peut-être, que fut Jules Lagnau, ne furent réunis et publiés la plupart pour la première fois et à titre posthume qu'aux environs de 1926 par les disciples fidèles qui entendaient transmettre son enseignement. C'était un enseignement oral, mais tout le monde prenait les notes comme on savait faire autrefois à la Sorbonne. Et afin de donner une idée de l'importance dont jouissaient les célèbres leçons et fragments de Lagnau dans les années 30, remarquons que rédigé en 1933-34, le mémoire de maîtrise de Paul Ricoeur avait pour thème le problème de Dieu chez Lachelier et Lagnau. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que le cours de Lagnau sur Dieu avait laissé une forte empreinte sur la pensée de Simone Weil, y compris, pour le dire en passant, en ce qui concerne ses prises de position sur la question de faire le bien. J'ai écrit sur cette question, ça va paraître en français, mais c'est paru déjà en italien. Et sur la descente de Dieu, sans parler de Lagnau d'ailleurs, c'est seulement sur Simone Weil. C'est après que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des choses chez Lagnau. Quant à Ricoeur, dans les années qui ont suivi son diplôme, il ne tardera pas du côté de la philosophie réflexive française à se rapprocher de Jean Nabert et de son propre aveu à se détourner de Lachelier et de Lagnau, alors que par ailleurs, il découvrait la phénoménologie husserlienne. S'agissant toutefois de la perception, sujet qu'occupa Simone Weil dans ses premiers essais et dans son diplôme d'études supérieures sur Descartes, c'est surtout Maurice Merleau-Ponty qu'il importerait de convoquer au débat. Dans le troisième chapitre de la première partie de sa « Phénoménologie de la perception », chapitre intitulé « L'attention et le jugement », Merleau-Ponty entend justement se battre contre l'intellectualisme de la philosophie réflexive de Lagnau et d'Alain. Bon, je peux difficilement prolonger, mais il y a un mot de Merleau-Ponty qui dit leur intellectualisme ne permet pas de voir la perception effective à son état naissant, c'est-à-dire de voir le phénomène de la perception et le monde qui naît en elle. Discutable, mais à y regarder de près, ce qu'il convient d'emblée de retenir de Lagnau et d'Alain, ces deux représentants français de la philosophie réflexive, d'une part, et de Husserl de l'autre, est que, venant après Kant, ils furent confrontés, les uns et l'autre, au problème de la perception et du jugement. Sans doute, aux yeux de Lagnau, comme de Husserl, l'esthétique transcendantale demeurait-elle trop formelle? En ne considérant que les formes a priori de la sensibilité, elle éludait la question de la perception proprement dite. Pour Kant, ça. Rappelons que les deux textes, donc,
Il y a eu dans le post-kantisme, au cours du XIXe siècle, et pour Husserl avec le développement de la psychologie, une sorte d'insatisfaction avec le début de la critique de la raison pure. Malgré la richesse de son approche réflexive de la perception, Lagnau, cependant, ne se libère pas assez du kantisme. S'il reconnaît comme Husserl que dans la perception, les choses nous apparaissent par des facettes, par des profils, Abschattungen, ce qui peut donner lieu à des erreurs, à des illusions, et implique le mouvement corporel pour que la perception se confirme, c'est-à-dire le mouvement du corps, il fait déjà intervenir le jugement au niveau de la perception. Il demeure en deçà de ce que Husserl analysera en termes d'expérience antéprédicative. Je ne peux pas tout... Ce qui nous révèle la récente... Mais je veux m'occuper plutôt de perception et surtout d'attention. Ce qui nous révèle la récente publication des cours de 1904-1905 de Husserl est que son intérêt pour la perception se déclare très tôt et qu'il s'inscrit cet intérêt dans l'horizon ouvert par les travaux de la science psychologique alors naissante et les défis qu'elle pose, l'empirisme. Or, comme l'évocation de Merleau-Ponty laissait déjà entrevoir, une fois la méthode phénoménologique connue, il aurait été difficile de ne pas la préférer lorsqu'on se propose d'aborder la question de la perception et du jugement, de l'expérience et du jugement, Erfahrung und Urteil. Autrement dit, à la différence de représentants de la philosophie française, le phénoménologue ne se contente pas de réfléchir sur l'expérience pensante, la philosophie réflexive française. Il se livre à un véritable travail de description de l'expérience selon ses modalités et à tous ses niveaux, travail que Simone Weil, comme nous le disions, n'a pas pu entièrement connaître. Elle ne connaissait pas. Chez elle, c'est la réflexion de Lagnau sur la perception qui laisse des traces importantes, et ce, depuis ses premiers écrits jusqu'à certains passages des intuitions préchrétiennes, lorsqu'elle réfléchit sur la place de la nécessité dans notre perception du monde réel. Et pourtant, lorsqu'au lieu de parler d'interprétation au sujet de la perception comme le fait Lagnau, Simone Weil emploie le mot de lecture, qui ne présuppose pas nécessairement qu'un jugement soit déjà à l'œuvre, elle semble se rapprocher de l'activité inhérente à la réceptivité perceptive telle que l'entend Husserl, et en particulier de sa façon d'envisager comment le sens du perçu se constitue. Merleau-Ponty lui-même emploie la notion de langage muet en se référant à la perception. Et ne recourt-il pas, Merleau-Ponty, aussi à la métaphore d'un texte naturel pour caractériser la façon dont la perception nous parle? Donc il y a lecture quand même. Plus important pour nous est l'autre thème majeur abordé dans le volume 38 des Husserliniana, à savoir celui de l'attention, Aufmerksamkeit. Ce thème de l'attention était mentionné dans le titre du chapitre de la phénoménologie de perception de Merleau-Ponty. Mais Merleau-Ponty ne l'a pas approfondi, comme le feront chacun à sa manière, Husserl et Simone Weil. Nous savons tous, et le titre du récent ouvrage de Robert Chenavier le souligne, quel rôle majeur joue l'attention chez Simone Weil. Ce rôle s'exerce tant sur le plan de la connaissance et de la création artistique que sur le plan éthique et spirituel. Qu'on le veuille ou non, il dépasse la séparation kantienne entre raison théorique et raison pratique. Nous voyons que ce dépassement est aussi le fait de Husserl. Mais je vais lire un texte que je choisis parmi des milliers d'autres, du cahier 8, K8, où quelque chose du mouvement sur l'attention se résume chez Simone Weil. Elle écrit « Le poète produit le beau par l'attention fixée sur du réel. De même l'acte d'amour. Savoir que cet homme qui a faim et froid existe vraiment autant que moi et a vraiment faim et froid, cela suffit, le reste suit de lui-même. » Elle continue « Les valeurs authentiques et pures de vrai, de beau, de bien,
dans l'activité d'un être humain se produisent par un seul et même acte, une certaine application à l'objet de la plénitude de l'attention, c'est-à-dire pour produire quelque chose de beau et pour faire un acte vraiment de bonté, l'attention est requise et suffit. Les valeurs, l'enseignement ne devrait avoir pour fin que de préparer la possibilité d'un tel acte par la plénitude de l'attention. Impossible de trouver l'équivalent de la prodigieuse synthèse veilienne chez Husserl. Mais le thème de l'attention fut toujours présent chez lui, comme maintenant nous sommes à même de le savoir grâce aux précisions fournies par Thomas Wenger, qui édite ses livres et qui va éditer avec Ulrich Melle des tas de manuscrits sur l'attention chez Husserl. Mais avant la mise à jour de ses premiers écrits, qu'on ne connaît que maintenant, il n'aurait pas échappé au lecteur attentif des recherches logiques et des idées directrices pour une phénoménologie, idée 1, le rôle général que Husserl accorde à l'attention dans les modes de l'actualité de la conscience, par contraste avec le mode d'inactualité qui est celui de l'inattention. Comme on le voit dans le paragraphe 92 intitulé des idées, intitulé « Les mutations attentionnelles au point de vue noétique et noématique ». Husserl s'y sert d'ailleurs de la métaphore de la lumière lorsqu'il essaie d'expliciter les différences d'actualité de l'attention. Voici le passage de Husserl. Il est d'usage de comparer l'attention à une lumière qui éclaire. Ce que l'on remarque au sens spécifique du mot se trouve pris sous un faisceau plus ou moins clair de lumière. Il peut aussi reculer dans la pénombre et dans la pleine obscurité, l'inconscient. Aussi insuffisante que soit l'image pour exprimer sans confusion possible tous les modes que la phénoménologie doit fixer, elle est néanmoins assez caractéristique pour indiquer les changements qui affectent la chose qui apparaît comme telle. C'est-à-dire la chose apparaît différemment si vous faites ou si vous ne faites pas attention. L'attention est donc consubstantielle à la vie de la conscience lorsqu'elle s'éveille à quelque chose qui lui apparaît sur l'horizon du monde. Et en elle, le sujet se dirige à, se tourne vers ce qui l'a affecté. Comme il le remarquera aussi dans les analyses sur les synthèses passives à propos de l'affection et du comment de sa propagation. Voilà ce que dit Husserl. Y a-t-il des lois de propagation de l'éveil intentionnel? Et il poursuit, le cas le plus remarquable est ici celui dans lequel l'affection se répercute en attention, en appréhension, en prise de connaissance, en explication. Quoiqu'éparses, ces considérations phénoménologiques de Husserl au sujet de l'attention corroborent les profondes intuitions de Simone Weil quant au rôle essentiel de l'attention dans l'enseignement et pour la formation de tout homme, comme on le voit lorsque, dans sa réflexion sur le bon usage des études scolaires, elle s'exclame en une sorte d'écho aux béatitudes. Heureux donc ceux qui passent leur adolescence et leur jeunesse seulement à former leur pouvoir d'attention. À l'opposé, celui qui traverse des années d'études sans développer l'attention a perdu un grand trésor. Or, au sujet précisément de l'attention, une convergence décisive se fait encore jour autour du sens même de la réduction transcendantale. Comment n'est pas supposé que la réduction ou la suspension de l'attitude naturelle qui ouvre au regard purifié du phénoménologue le champ transcendantal ne dépendrait-elle pas d'une attention renouvelée, c'est-à-dire la réduction, à ce qui s'y donne et au comment de cette donation? Toujours dans l'essai sur le bon usage des études scolaires, lors d'une des tentatives de Simone Weil de dire en quoi consiste l'attention, c'est précisément le verbe « suspendre » qu'elle emploie, et à juste titre, car toute vraie attention requiert de mettre entre parenthèses ce que nous savons ou croyons savoir, ce qui nous agite,
ce qui occupe notre mental, nous empêchant vraiment d'être présents à ce qui est là. Certes, chez Simone Veil, la dimension spirituelle de l'attention est intimement liée, associée à la dimension cognitive. Les citations que nous venons de faire ne sauraient être disjointes de ces considérations sur l'attention réelle manifestée par le Samaritain à l'égard de l'anonyme rencontré sur son chemin. Bon, avant de lever un coin du voile sur la façon dont Husserl, bien qu'étranger à toute mystique ou à ceux qu'il comprenait par ce terme, se posa aussi des questions spirituelles, y compris sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il est grand temps de revenir en arrière et de dire un petit mot sur les autres philosophes évoqués par Simone Veil dans la phrase qui a servi d'indicateur pour le détour auquel nous nous sommes livrés. Elle parlait de Platon, ensuite dans la modernité Kant, Descartes et Kant, et puis dans le XXe siècle, Lagnau, Alain et Husserl. Pour dire la façon dont Husserl, de son côté, envisageait Platon, je vais vous lire simplement, il y en a plusieurs phrases, mais je vais vous lire une phrase. « Ma vie et celle de Platon ne font qu'une. Je perpétue le travail de sa vie. L'unité de ce qu'il a réalisé est un maillon dans l'unité de ce que j'ai réalisé. Son aspiration, sa volonté, sa formation se perpétuent dans les miennes. » On ne parlait pas du temps de Platon de volonté, bon, mais on parlait de désir. Faut-il rappeler l'importance de la philosophie de Descartes pour l'auteur des méditations cartésiennes et à Kant, à qui il emprunte, encore qu'en le configurant tout autrement le motif transcendantal. Mais la configuration est tout à fait autre que celle de Kant. Bon, je ne peux pas prolonger. Et pour dire que Husserl aussi aurait séparé en deux listes ces philosophes importants, puisque pour eux, pour lui, pour, pas pour Simone Veil, mais pour Husserl, Locke et Hume, comme ils ont joué pour Kant, surtout Hume, avaient aussi une très grande importance, je vais lire ce que dans la Crisis, Husserl dit de Hume. C'est précisément parce que le génie de Hume est étonnant qu'il est insupportable de constater qu'il ne va pas de pair avec un grand éthos philosophique qui lui correspondrait, parce que Hume est un sceptique. Husserl n'est donc pas loin de Simone Veil quand il est amené à envisager ses prédécesseurs selon le critère de la haute valeur éthique qu'il tient pour inhérent à la vocation du vrai philosophe. Et il le dira à maintes reprises. Bon, la partie éthique de l'œuvre de Husserl a été connue d'abord par une publication de Alois Roth en 60, et maintenant, c'est la floraison d'études sur l'éthique de Husserl, et en particulier en Italie, avec les Allemands et les Italiens. Beaucoup de choses très importantes sur l'éthique de Husserl. Et je vais lire simplement pour montrer que Husserl ne sépare pas raison pratique et raison théorique, je vais vous lire un petit extrait qui se trouve déjà dans les analyses des synthèses passives. La vie qui juge, et aussi la vie qui juge raisonnablement, est un médium pour un désir, un effort, un vouloir, un agir spécifique, dont les buts sont justement des jugements et des jugements de forme particulière. Toute raison est en même temps raison pratique. Et il en va de même pour la raison logique. Cette mise au point faite, puisqu'elle fut suscitée par mon affirmation selon laquelle sa façon d'envisager la vocation philosophique ne diffère pas essentiellement de celle de Simone Veil, je vais m'appuyer maintenant sur un texte de Husserl, connu seulement en 89 dans les publications des articles de Husserl, Vorträge, conférences et articles. Ces articles ont été écrits en 1922-23 pour une revue japonaise, Kaizo. Et c'est maintenant traduit en français et ça s'appelle « Sur le renouveau ». Donc,
Je venais de faire allusion à l'inséparabilité, je suis en train de sauter beaucoup de choses, entre raison théorique et raison pratique. Évoquons un passage où Husserl parle de celui qui philosophe. Voici ce qu'il écrit dans le cinquième article, écrit pour Kaizo, mais qui à l'époque ne fut pas publié en japonais. Parce que ces articles, seulement un a été publié, le premier, en allemand et en japonais, et les autres, deux autres en japonais, et les autres n'ont même pas été publiés. Donc, on ne pouvait pas les connaître. Alors, ce que dit Husserl, « Seul celui qui, en philosophant, en passant à l'attitude purement théorique, réfléchit sur sa vie et sur les buts qui la meuvent, seul celui qui, dans cette attitude, acquiert la vision évidente de ce qui est véritablement beau et laid, noble et bas, juste et injuste, bon ou injuste, bon ou mauvais, et ainsi, en philosophant, connaît les normes authentiques de la raison pratique, peut ensuite, diriger par elle consciemment, mettre effectivement en scène sa vie comme une vie rationnelle du point de vue pratique. L'attachement de Husserl est à la raison, c'est-à-dire cette vie bonne est une vie, qu'on dirait, la vie, on parle de religion, et non, c'est d'abord la raison dans son authenticité, dans sa vérité, est une recherche de bien, du bien. Face à un tel propos, on serait en droit de se demander si Husserl n'attribue pas un trop grand privilège au philosophe, puisqu'il parle du philosophe. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas l'universalisme de Simone Weil, mais dans les types formels de culture dans le développement de l'humanité, c'est un de ses articles, le cinquième, on peut dire qu'il voit aussi les autres. Mais il y a même un petit article où il fait l'éloge d'un livre allemand, Neumann, sur les écrits du bouddhisme, où il dit « il voit la présence d'une religiosité transcendantale dans le bouddhisme ». Donc, n'est pas tellement loin, bien qu'il n'ait pas l'ouverture de Simone Weil aux autres cultures, même les plus modestes, chez elle, cela a une toute autre ampleur, évidemment. Elle savait recueillir les graines de bien purs qu'elle trouvait dans leur récit, et en dévoiler leur vérité en décelant des analogies entre des histoires différentes. Ce qui importe néanmoins de retenir du propos juste que je viens juste de citer est que d'après Husserl, une authentique praxis philosophique et la vie qui y va de pair doit receler en elle une philosophie de valeur, comme disait Simone Weil. Or, on pourrait dire que Heidegger n'aimait pas la notion de valeur. Dans le cahier inédit, on trouve cette brève annotation chez elle. La philosophie, recherche de la sagesse, est une vertu. C'est un travail sur soi, une transformation de l'être. Or, le renouveau dont il est question pour Husserl comporte pour tout un chacun le travail sur soi en vue de cette transformation ou, comme il le dit souvent, de cette réconfiguration de soi. Peut-être que je pourrais sauter quelque chose. Le renouveau est le mot d'ordre, dit Husserl, général dans notre douloureux présent. Maintenant, il ramène ce renouveau à la situation qu'il avait vécue dans la Première Guerre mondiale, 22-23. Il écrit ce texte. Et il avait vécu la guerre de 14-18 en perdant son fils. Le renouveau est le mot d'ordre, rouf, général dans notre douloureux présent et ce, dans l'ensemble du domaine de la culture européenne. La guerre qui a dévasté celle-ci depuis l'année 14 et qui, depuis 18, a seulement choisi à la place des moyens de contrainte militaire ceux plus raffinés des tortures de l'âme et des misères économiques moralement dépravantes a dévoilé la non-vérité, l'absurdité intime de cette culture. Quelques lignes plus loin, et après avoir posé la nécessité et la possibilité d'une réforme rationnelle de notre culture, Husserl n'hésite pas à critiquer le scepticisme qui gagne du terrain
il aurait dit aujourd'hui, il ne parlait pas de nihilisme, mais c'est le scepticisme, le nihilisme, ou même le naturalisme de tout, et les sophismes politiques qu'il nourrit. Voici les termes de cette dénonciation. Mais cette clarté n'est nullement facile à obtenir. Ce pessimisme sceptique et l'impudence de la sophistique politique dominant de façon si funeste notre époque, qui se sert de l'argumentation socio-éthique seulement comme couverture pour les buts égoïstes d'un nationalisme complètement dégénéré. Je cite Husserl. Bon, ça me permet de faire une petite critique à Hannah Arendt quand elle dit que Husserl était dépourvu du moindre sens de l'histoire. Elle a mal ciblé la critique. Elle aurait pu dire, la critique pourrait porter sur le sens du politique immédiat, mais pas dire qu'il n'a pas le sens de l'histoire. La question à soulever concernerait plutôt le niveau auquel Husserl entend apporter sa contribution à l'histoire humaine, à son renouveau. Une telle contribution a partie liée pour lui avec sa façon d'envisager les valeurs qui doivent animer une raison philosophique digne de ce nom. D'où la responsabilité du philosophe, responsabilité qu'il assume et qu'il entend promouvoir. Il s'assigne rien de moins que la tâche, je le cite, de fournir le travail théorique préalable dont dépend une réforme rationnelle de la culture. D'après Husserl, le travail philosophique à son plus haut niveau d'exigence, est indispensable à un renouveau de la culture. Nous, nous disons plutôt civilisation, mais les Allemands font la différence. Un renouveau qui ne soit pas illusoire et passager, mais qui aille aux racines même de la crise, qui est d'abord une crise de la raison pour lui. Or, tant pour Simone Weil que pour Husserl, et avant eux, pour Platon, la plus haute valeur est celle du bien. Mais alors que chez Simone Weil, la considération du bien est fréquente, chez Husserl, l'appel du bien demeure souvent comme la présupposition tacite, non seulement de son travail philosophique, mais de sa vision universalisante de l'homme vrai. Cela devient explicite lorsque, par exemple, il affirme que ce qu'on attend de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire de l'homme qui cherche à réaliser son essence en dépit du fait d'être atteint par, dit-il, le péché originel. Il doit, alors je cite Husserl, il doit dans chaque cas se décider en pratique au mieux selon son savoir et sa conscience. Il ne doit pas se laisser entraîner passivement par un penchant. Il doit vouloir librement et se décider ensuite librement pour le bien, pour ce qu'en connaissant il reconnaît comme le bien, même si c'est peut-être en se trompant. C'est né alors qu'il peut être un homme bon. Mais en tant qu'homme libre, il peut porter un regard... Combien ? Ah non, 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 parce qu'il faut que je parle de l'amour du Christ. Madame, vous n'avez... Le désir du bien... Bon. Ce n'est pas moi pour que vous empêchiez les autres parler. Ah non, c'est vrai. Bon, mais bien sûr. La limite absolue pour Husserl, c'est l'idée de Dieu. Et pour le Jésus, je vais dire alors ce qu'il écrit de Jésus. Si je lis des évangiles, les miracles ne me touchent pas. Point. Pas du tout. Mais la figure du Christ, si légendaire et indéterminée, c'était l'époque de Bultmann et tout ça. Elle demeure, et au contraire de la figure plus individualisée de Paul, telle qu'elle se manifeste dans ses orientations éthiques fondamentales par des multiples expressions et paraboles, éveille en moi un domaine de bonté parfaite. J'ai l'évidence qu'agir de la sorte est purement bon, que pouvoir être ainsi serait la félicité, et que tel cela est, cela devrait éveiller en moi, tel que cela est, en moi l'amour et l'amour le plus pur. Et le Christ lui-même se tient là pour moi, non seulement comme exigeant de la sorte, mais comme étant lui-même parfaitement bon, comme intuitionnant la bonté pure, tournée dans l'amour pur vers tous les hommes, en tant que lieu où implanter en bien pur possible, comme celui qui comprend tout et pardonne tout.
je ne peux me le représenter lui-même que comme incarnation de la bonté pure de l'homme, comme l'homme idéal. Je lis les évangiles comme un roman, comme une légende, j'accomplis l'empathie et je me remplis d'amour infini pour cette figure supra-empirique, cette incarnation d'une idée pure. Je me remplis de la félicité de savoir que cette personne infinie se rapporte aussi à moi de manière vivante. Bon, elle devient une force dans ma vie. Il y a d'autres choses que je fais avec les intuitions pré-chrétiennes. Et Husserl, et je parle de la médiation, de la nécessité de médiation chez les deux. Il dit comme ça, « Que serait l'homme s'il ne pouvait avoir l'intuition d'homme qui mérite d'être honoré, d'homme purement bon ?» Bon, je ne peux pas... par la joie pure dans l'acte d'amour. Je ne peux pas parler des autres, de la crise, de la géométrie et tout ça, dont j'ai écrit, de tout ce qui concerne la science et où elle se retrouve aussi avec Husserl, y compris dans la défense, c'est le titre d'un des papiers à moi, que j'ai, en défense de la géométrie, Husserl et Simone Weil. Bon, je dois finir. Oui, alors s'il vous plaît... D'accord. On vient d'écouter une exposé remarquable, cruellement écourté par la tyrannie, pas du président, mais du temps. Chronos étant implacable. Alors, je vous donne la parole. Vous avons à peu près 8 minutes et 40 secondes pour discuter. Madame. Je voulais juste faire une toute petite remarque à propos de l'approche du Christ. C'est qu'elle disait, avant de prendre le bateau, la mer, quel beau baptistère. Donc, l'eau, le Christ et la mort. Et plus tard, je sais que cette question est actuellement rediscutée du baptême ou pas par Simone Dietz de Simone. Un petit peu d'eau, juste avant sa mort. Et ne pouvant... étant probablement pour nous baptisés, mais ne pouvant quand même accéder à l'Église, c'est-à-dire à l'Eucharistie, c'est-à-dire à It qui termine Love, qui est l'acte de manger, l'acte du réel dans le monde, elle s'est éteinte et elle a rejoint le Christ. Oui, je dis dans mon exposé que je ne peux pas lire comment le Husserl n'a pas, et elle a, d'une façon absolument extraordinaire, le sens de la passion et de la croix et du malheur. Et alors, c'est ça que je n'ai pas pu lire, parce qu'il faudrait mettre beaucoup plus de temps. La différence, parce qu'elle voit des autres histoires qui peuvent être comparées à celles du Christ, comme je crois Husserl aurait accepté qu'il y ait des rapports, bien que la figure du Christ soit pour lui la figure de l'homme parfait, il n'y a pas d'autre. Mais il pourrait voir quand même des rapports, comme elle dit, puisqu'il parle de légende. Mais chez lui, il n'y a pas le sens, et pourtant il avait connu le malheur, mais il n'y a pas une réflexion sur le malheur, et il n'y a pas, il ne s'arrête pas, il n'est pas au pied de la croix. Vous voyez, c'est ça que je n'ai pas pu lire. Bon, il y avait ça, et puis à la fin de mon mais vous avez tout à fait raison, elle a reçu un autre baptême, mais pas celui... forcément d'entrer dans l'Église catholique. Monsieur Kuhn. Vous m'avez signalé quelque chose d'extrêmement intéressant en parlant de ce terme de religiosité transcendantale qu'il aurait écrit dans un texte. Bon, parce que la question que je me pose, c'est un peu le prolongement de ce que vous avez dit. Si vraiment je me... positionne la situation du phénoménologue effectuant la réduction transcendantale, cela veut dire qu'à ce moment-là, je ne peux faire intervenir aucun motif extérieur. Et il me semble que, donc, pas religieux non plus, j'entends pas là. Oui, oui. Et je me pose la question, c'était ma proposition de concevoir la décréation comme un pas de plus. Oui, j'ai été très touchée par ça. Justement, j'aimerais... dialoguer avec vous très brièvement là-dessus. Est-ce que Simone Weil, en se positionnant dans une réduction qui admet le vide, et on sait que pour elle le vide est plus ou moins implicitement déjà l'appel à la grâce,
elle introduit donc une notion du transcendantal qui quitte ce niveau purement rationnel du transcendantal comme abstention de tout jugement. Pardon. Je voulais simplement avoir votre avis là-dessus, puisque sur les autres choses, on s'accorde. C'est tout à fait d'accord. Et avec... quel est ce statut à ce moment-là? Oui, transcendantal, pour voilà. elle, c'est surtout le transcendantal kantien, puisqu'elle ne connaissait pas Husserl. Et quand elle dit que le jeu transcendantal prépare à la grâce, mais n'y arrive pas. Or, Husserl, à mon avis, va beaucoup plus loin que Kant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et même la réduction, Husserl faisait des critiques très valables à Kant, mais tout en étant redevable à Kant. Mais je pense que les philosophes, purement philosophes, qui n'ont pas cet appel si profond qu'elle a eu, restent dans une sorte de position de plus grande neutralité par rapport aux faits religieux. Mais il a reconnu quand même qu'il y a une religiosité transcendantale. Et ce n'est pas dans les rites, c'est quelque chose dans la pensée, c'est-à-dire dans la pensée. Et le Dieu est la limite, puisqu'il dit, la phrase est formidable, quand il emploie le mot mathématique. Si je fais un raisonnement mathématique, Dieu est la limite. Il ne peut pas ne pas avoir Dieu. Pour la philosophie transcendantale, Dieu fait partie de la philosophie transcendantale pour Husserl. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu est l'idée limite. Il ne peut pas ne pas le faire, comme un mathématicien ne peut pas ne pas penser l'infini. Oui. Mais évidemment, il n'avait pas un vécu religieux. D'abord, c'était le protestantisme de son époque, le luthéranisme. C'est différent d'une sensibilité plus catholique, dans le sens de la religiosité. Donc, elle pouvait rester en méditation et en contemplation de l'Eucharistie. C'est difficile dans un milieu protestant. Si je me mêle de ça, si je fais la philosophe. Oui, merci pour cet exposé et merci pour les deux exposés. Je voudrais faire une remarque sur la convergence et poser une question sur la divergence possible quand même entre Simone Weil et Husserl. La remarque sur la convergence qui m'a beaucoup frappé dans les deux exposés d'ailleurs, mais dans le vôtre très fortement, c'est le fait qu'une relation très forte ici se noue qui révèle non seulement la force métaphysique, théorique, spéculative de la pensée de Simone Weil, mais ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que cette importance de Simone Weil se révèle aussi à ce qu'elle nous fait voir chez Husserl, mais qui est très méconnue, et toute cette réflexion au fond sur soi, la phénoménologie elle-même comme transformation de soi, au fond, comme retour à cet exercice de la philosophie comme telle. Il se trouve qu'on a en ce moment aussi comme professeur invité ici Arnold Davidson, qui a beaucoup travaillé avec Pierre Hadot sur la notion d'exercice spirituel, et on s'aperçoit qu'au fond, même la phénoménologie, qui apparaît souvent comme une visée essentiellement théorique, constitutive, ici, a une dimension de transformation de soi, y compris éthique, religieuse, politique, historique. Et j'étais très frappé par le fait que Simone Weil permet de révéler. Et donc la relation marche dans les deux sens. Donc ça me paraît extrêmement frappant et important. C'est vraiment exercice spirituel, parce que Husserl dit que ce renouveau, c'est presque tous les matins. J'étais très étonnée, parce qu'en connaissant le livre de Hadot et connaissant les exercices spirituels de Saint-Ignace, je ne pouvais qu'être frappée par le fait que Husserl dit, mais le problème, c'est que ce texte n'a pas été connu que maintenant. Bien sûr, mais... C'est maintenant qu'on connaît les textes de Husserl sur cette question. Et cet autre Husserl qui apparaît comme maintenant et qui apparaît grâce à Simone Weil aussi en partie, c'est aussi un autre Husserl que celui des années 30 et 40 en France, celui de Sartre par exemple justement, qui est très profond aussi, mais qui est un Husserl tourné vers le dehors, qui nous déprendrait de l'esprit justement et du soi, un Husserl qui nous ramènerait vers le concret, vers le fameux vers dans le café, mais aussi l'homme dans la rue, enfin homme parmi les hommes, chose parmi les choses. Donc c'est un autre Husserl. Mais ma question, c'est malgré cette convergence, au fond, est-ce qu'il n'y a pas quand même une divergence très, très profonde, mais une sorte de différence d'accent? C'est-à-dire, au fond, est-ce que, dans le rôle de l'attention,
dans le rôle de l'attention. Est-ce que pour Husserl, au fond, on ne pourrait pas dire que le rapport à l'objet est l'occasion de l'attention, comme quand même accès à la vérité du phénomène qui se donne, alors que pour Simone Weil, c'est l'inverse. L'attention est quand même l'occasion du rapport aussi à l'objet, c'est-à-dire au réel, justement, et pas au phénomène ou à l'être comme des structures générales, mais à telle ou telle réalité bien précise. Oui. Il dit quand quelque chose m'affecte. C'est-à-dire que, évidemment, on peut passer à côté d'un homme tombant et ne pas être affecté. Il faut une disposition intérieure pour être affecté. Et Husserl dit, mais si quelque chose m'affecte et si je tourne mon regard à l'attention, ce n'est pas... Moi, je pense que là, il y a convergence, bien que lui, il s'étend... On annonce presque 3 volumes, vous voyez, sur des problèmes comme ça, sur l'attention. Donc, il va faire les variations imaginatives. Elle n'a pas eu ce temps. C'est ça que j'appelle la synthèse absolument prodigieuse qu'elle fait, parce qu'elle ramasse tout. Elle a un style, au point de vue littéraire, qui est tout à fait différent. Husserl, la phrase... Vous soufflez pour pouvoir lire jusqu'à la fin. Et moi, je viens d'une langue qui est aussi a des phrases très, très longues. Ce n'est pas comme le français. Mais j'ai l'habitude. D'ailleurs, les Allemands sont peut-être les meilleurs traducteurs du portugais. Mais la question est... Husserl dit que les nuances sont très importantes. Évidemment qu'il y a des nuances fondamentales entre les deux. Je n'ai pas voulu dire que l'un était l'autre. Non. Mais les convergences sont quand même très frappantes. Et parce que... Robert avait remarqué dans les introductions à la partie sur la science qu'il y a des choses absolument étonnantes qu'elle dit et que Husserl dit sur la géométrie, sur la science, sur l'état actuel de la science. Moi, j'ai écrit pour les architectes un texte qui s'appelle « En défense de la géométrie ». Ils étaient tous étonnés. J'ai dû me justifier pour le mot « en défense ». Géométrie, mesure du monde. Ça, c'était à Louvain, les architectes. En défense de la géométrie, Edmond Husserl et Simone Weil. Bon. Et c'était étonnant, parce qu'en lisant Simone Weil et connaissant les choses de Husserl sur la géométrie, on est quand même frappé, parce qu'il y a des phrases où les deux disent sur l'algèbre à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils perdent, je n'ai pas pu, mais j'avais ça, sur la géométrie euclidienne. Ils ont le même point de vue. J'ai même des... dans le colloque sur la science. On peut critiquer Simone Weil de ne pas avoir compris tout à fait la physique quantique. Et en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas lui refuser d'avoir vu juste. C'est la même chose avec Husserl pour la géométrie. Il ne s'est pas intéressé à la physique. Il s'est intéressé à la géométrie. Il n'a pas compris qu'il y avait une autre géométrie possible des formes irrégulières, la géométrie fractale. J'ai lu tout petit tour pour faire ça. Bon, et alors, pas pour maintenant, mais pour les choses. Mais pourquoi? Parce que le premier, ce n'est pas seulement chronologiquement, c'est notre expérience. Husserl avait raison, c'est Euclide. Et Simone Weil dit la même chose. J'ai la phrase ici. C'est vraiment... étonnant de voir la convergence. Robert avait senti, moi j'avais senti parallèlement, nous étions chacun étudiant une partie de la chose, lui écrivant les introductions sur la science, et moi faisant mes choses, parce que j'ai été toujours serlienne, enfin depuis que je suis arrivée en France, pas depuis toujours, mais depuis que j'ai assisté.